C'est le temps des vieillards. Ba silam posa ya moki. Ba tikali na posa moko ya Kongo ma melanzambe. Yesu na lingi koko kanana yo. Ndenge yo kokana kabilongi yo na bayekoli. Yango juda vante kayo ambasa kayo. Poyo zalaka confondu katia bayekoli. Ba imitaka yo mobimba. Ndenge na lingi toko kananga ina yoye. Jésus l'amour de ma vie. Nabenga kayo munda ya feti. Piano saxo esprima esepeli saka motema. Bonane ma feta kambala moko na mvula. Kasi banda yo kota na vinanga Yesu. Yoko ma bonane na ngaya tous les jours. Ata probleme. Yo pesa kanga esengo. Oh yanga na yo libala. Ekosila te to kamwana te na langwe. Oh yanga na yo alliance. Ekosila te yaya. Suki ya pepe se mpaka. Bana yo se mwa. Tu es l'amour. Comme David, je veux être l'homme selon ton cœur. Peut-être pas parfait aux hommes, mais agréable à toi. Bon lingo na yo le kimakasi. Ekoti na makila epesi kwitia libela. Bato bazo comprendre te likambo likwelinga. Zoka moto alangwe bayoka na kasena moto ya kwiti. Nazana kwiti ya molimo na yo Yesu. Moto ako comprendre se oyaza na yo e. Jésus l'amour de ma vie. Na langwe yo e. Na benga kayo munda ya feti. Piano saxo esprima esepeli saka motema. Bonane ma feta kambala moko na mvula. Kasi banda yo kota na vinanga Yesu. Yoko ma bonane na ngaya tous les jours. Ata probleme. Yo pesa kanga esengo. Oh yanga na yo libala. Eko sila te toka wana te. Na langwe. Oh yanga na yo alliance. Eko sila te yaya. Suki ya pepe se Protection ya boye bango pe bango na ka. Jamais. Bayo kaka nenge nini baye baso vivre. Thank you.
Merci pour la joie, Seigneur, que tu nous donnes encore ce soir, cet après-midi. Merci, Seigneur, parce que ce qui n'a été qu'un rêve devient aujourd'hui une réalité. Amen. Ce qui était préparé dans les secrets, aujourd'hui, Seigneur, tu l'éclates au grand jour. Amen. Voilà pourquoi nous sommes heureux. Et nous bénissons ton nom ce soir. Et ton peuple t'acclame et pousse des cris de joie. Pour nous sortir. En Jésus notre Seigneur et notre Maître. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Je vous accueille dans ce magnifique temps. Par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous tous qui vous êtes déplacés de partout, vous êtes venus des États-Unis, d'Afrique, de certains pays européens, nous sommes heureux de vous accueillir à l'église La Vigne de la Restauration. Avant de continuer dans ce programme, laissez-moi vous lire un verset. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu appela... En fait, l'Éternel Dieu, excusez-moi, forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais écoutez cette phrase. Mais pour l'homme, l'aide semblable, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Point. Amen. Je voudrais simplement, par ces quelques mots, rappeler ce que nous disons chez les protestants, l'institution et l'instruction du mariage. Nous voulons simplement rappeler que le mariage est de Dieu. Le mariage, ce n'est pas une invention humaine. Ce ne sont pas des hommes qui se sont rassemblés quelque part et qui disent, écoutez, désormais, on va commencer à se marier. Non. C'est Dieu lui-même qui a pris Adam, Dieu plutôt qui a pris Ève et l'a amené à Ève. Mais si vous notez les quelques détails à l'occasion qu'était Francis, que je voudrais vous rappeler, vous allez vous rendre compte, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Mais vers la fin, il dit, mais l'homme ne trouva point d'aide semblable. Amen. C'est pour dire qu'il y a eu beaucoup de femmes. Tu étais là, on avait déjà commencé l'étude. Il y a eu beaucoup d'hommes. Et tu as reçu beaucoup de sollicitations. Mais la Bible dit que Adam n'a pas trouvé d'aide semblable. Et je pense que cette fois-ci, vous avez trouvé l'aide semblable. Amen. 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 Ça, c'est le plus important. Quand Adam a découvert Ève, il a compris que c'était elle. Parce que Dieu a fait défiler des gorilles. Vous savez, parfois, on pense que l'homme descend du sein. C'est là où nous avons un problème avec les scientifiques. On pose la question, mais pourquoi les singes n'évoluent plus? Quand l'homme a vu les gorilles, il a dit non, non, ce n'est pas l'aide. Mais lorsqu'il a vu, lorsque plutôt il a vu la femme, il dit, mais c'est lui. Voilà pourquoi, sans trop monopoliser la parole, je rappelle que le mariage est divin. C'est la volonté même de Dieu. Et je pense que ce que vous m'avez dit, demain vous n'allez pas les venir. Je vous ai posé cette question plusieurs fois. Et maintenant, publiquement, j'en prends témoin l'église.
que c'est la volonté de Dieu et Dieu ne change pas. Deuxième chose, le mariage est monogamique. Un seul homme, une seule femme. Dieu n'a pas donné deux femmes à Ève. Non, à Adam. Il n'a pas donné deux hommes à Ève. Voilà pourquoi pour nous, chrétiens évangéliques, pour nous, l'engagement du mariage implique la monogamie. Et non seulement la monogamie, il implique l'hétérosexualité, c'est-à-dire le mariage est hétérosexuel, c'est-à-dire entre deux sexes opposés. Nous les disons. Et troisièmement, quatrièmement plutôt, j'allais dire, le mariage est indissoluble. Inséparable. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est que Dieu a joint personne. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, je les répète toujours, Dieu m'a montré en tant que pasteur les secrets d'unir de deux personnes. Mais jamais comment séparer. Est-ce que vous me comprenez bien? Je sais comment faire pour que vous soyez ensemble. Je l'ai fait et nous allons encore le faire. Mais séparer, je ne sais pas comment le faire. Sinon, je vous demanderai de nous ramener un certain 29 juillet. Vous m'inviterez tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants. Et vous allez prendre le même décor. Alors, peut-être à ce moment-là, je vais demander la volonté de Dieu si ça serait possible. Sinon, le mariage est indissoluble. Voilà les hommes, voici ces hommes, ces femmes qui sont venus t'honorer. Tes enfants, ils sont là. Et je crois que c'est de notre responsabilité de leur donner un modèle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. C'est un passage, comme je disais, que nous lisons, que nous. C'est un passage qui est souvent dans des mariages, mais malheureusement, c'est aussi un passage parmi les passages les plus incompris de la Bible. Aujourd'hui, vous et moi, vous savez, dans, très souvent, lorsque nous assistons à des séances, des cultes, des bénédictions nuptiales comme celui-ci, très souvent, les gens disent, voilà, Christ a aimé l'amour et Christ a aimé l'Église et il a donné. L'amour, c'est comment? C'est défini par donner. Et très souvent, on simplifie cette définition de la Bible par le mot donner. Mais on ignore ou on refuse de comprendre, sinon de lire la suite. Qu'est-ce que Christ a donné pour prouver son amour? Christ s'est donné. Non, Christ a donné. Mais qu'est-ce que Christ a donné? Et aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, vous suivez quand on dit, oh, écoutez, il faut montrer, il faut qu'on l'a qui s'abonne, il faut qu'on paye ça, il faut faire ceci, n'est-ce pas? C'est ce que le monde nous apprend. Et on résume l'amour par rapport à ces cadeaux, par rapport à ces choses matérielles que nous devons donner pour soi-disant montrer cet amour. Mais ce n'est pas l'esprit de ce passage. Ce passage dit, Christ a aimé l'Église et il a donné. Mais Christ a donné quoi? Ce n'est pas des choses périssables que Christ a donné pour démontrer son amour. Parce que le danger, c'est quoi? Le danger, c'est lorsque nous arrêtons à cette définition du monde, je dirais entre guillemets, de l'amour, comme étant donné pour montrer votre amour. Et le jour, il n'y aura plus ces choses-là que vous étiez en train de donner. C'est bien, il faut donner des cadeaux, c'est pas mal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner de cadeaux, il faut donner des cadeaux pour montrer votre amour, c'est bien beau. Mais nous devons éviter de simplifier la définition de l'amour par des cadeaux matériels que nous donnons l'un à l'autre. Parce que le problème, c'est que les jours où ces choses-là vont manquer, les jours où ces choses vont arriver à manquer, qu'est-ce que la femme va faire ou qu'est-ce que l'autre va faire? Il va aller chercher quelqu'un d'autre qui est à mesure de continuer à donner, continuer à donner. Voilà pourquoi moi j'ai dit, en lisant ce passage de Ephésiens 5, nous devons faire très attention. Christ a aimé l'Église, l'a donné. Oui. Mais Christ a donné quelque chose d'immatériel. Il s'est donné lui-même. Amen.
Christ s'est sacrifié. Et c'est comme ça, moi je dis, cette définition de l'amour de Éphésiens 5, nous devons le comprendre comme étant ces sacrifices que Christ a fait. L'amour en réalité, Christ, l'amour en réalité était, c'est savoir se sacrifier pour l'autre. C'est savoir s'oublier pour l'autre. C'est savoir aller au-delà. Je suis prêt même de comment d'hypothéquer tout ce qui me reste encore. Mon honneur pour l'autre. C'est seulement lorsqu'on arrive à ce point-là qu'on peut se dire qu'on s'aime l'un et l'autre. Francis, tu dois arriver au point où les hommes disent de toi que tu étais à mon égard. Amen. Si tu n'es pas encore arrivé à ce point-là, c'est que tu n'as pas encore aimé Tété. Tété, tu dois arriver au point où les hommes te voient et disent, ah, Tété, on a franchi à mon élève. C'est ça l'amour. C'est ça se dépasser. C'est ça donner tout ce que tu avais encore de meilleur en toi, ta personnalité, ton honneur. Pour mon épouse, je dois tout. Pour mon épouse, je ne résiste pas. Pour mon épouse, je n'ai pas de réserve. Et qu'est-ce que tu fais la même chose? Pour Francis, c'est ça l'amour que Dieu nous veut. Cet amour, c'est-à-dire, c'est sacrifier soi-même. La Bible dit Christ s'est sacrifié. Il n'a pas tenu compte d'être égal à Dieu. La Bible dit qu'il était Dieu, il était au commencement, c'est lui, la parole par qui tout a été créé. Mais il a accepté de s'humilier. On l'a frappé, on l'a insulté, on a craché sur lui. Et tout ça, c'était à cause de toi. C'est ça l'amour dont la Bible nous enseigne. Tu es prêt à tout. Que les gens disent tout ce qu'ils veulent. Peu importe ce que les gens diront. Moi, c'est donné. Amen. C'est à ce point-là, c'est ce que Christ nous veut. C'est pas quelque chose, c'est pas un conte des fées. C'est quelque chose que vous pouvez vivre, Francis. Lorsqu'on m'a dit, comme la modératrice l'a dit tout à l'heure, que c'est le mariage de Tété, et mon frère, le pasteur Jean, il m'a invité. Dit, est-ce que vous pouvez venir à ce mariage et parler? Moi j'ai dit, quels que soient mes engagements, je vais venir. Quels que soient mes engagements, je viendrai. Et comme la modératrice l'a dit, je venais tout droit de Kinshasa. Je fais juste quelques jours à Londres. J'ai dit, je vais aller parler à ce mariage. Parce que je connais cette dame. Je sais ce qu'elle est. Et parfois, lorsqu'on parle de cet amour français, on se dit, est-ce que ça serait possible de le faire, de le vivre? Je vais vous lire un deuxième passage dans je crois que il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son propre intérêt, comme je l'ai dit. Il ne s'irrite point et ne soupçonne point le mal. Vous allez continuer le reste. Ça vous donne toute une litanie sur la définition de ce que doit être cet amour. Et c'est cet amour, comme j'ai dit, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons, et c'est ce que nous espérons entre Francis et Tété. C'est possible. La Bible dit, la seule condition, la seule chose qui va vous aider à vivre ces choses, à vivre cet amour qui est décrit ici dans Éphésiens, c'est lorsque vous mettez Christ au centre de votre amour. Mettez Christ au centre de votre amour. Si vous avez Christ au centre, toutes ces choses qui paraissent parfois un peu fictifs, vous allez le vivre. L'amour en Christ, l'amour de Christ en vous, c'est ça qui va finalement dicter votre comportement. C'est l'amour de Christ en vous qui va finalement dicter ce que vous aurez à faire l'un à l'autre. Évidemment, l'amour de Christ en vous va augmenter votre attachement. Francis Tété, il y a une sœur qui est venue ici pour témoigner lorsque vous n'étiez pas encore là. Je l'ai vu avec une carte, j'espère que c'est la carte qu'elle a destinée à Tété et Francis. Et dans cette carte, elle lisait quelque chose que moi j'ai retrouvé aussi dans Matthieu. C'est Matthieu comment pour ma sœur? Matthieu chapitre Matthieu 6, 33. Je vais le lire pour vous parce que vous n'étiez pas là. Matthieu chapitre 6, verset 33. Voici ce qui est écrit. Et c'est là où je vais terminer. Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez
premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est un peu ce que je venais de dire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est ça qui doit être votre quête. Dans votre union, à partir du moment où ce soir, vous nous avez invités encore à une soirée, nous allons continuer à fêter. Et lorsque vous rentrez à la maison, à partir de ce jour, mettez Christ au centre de votre union. Et cherchez toujours la justice et la... Comment il est dit? Cherchez toujours le royaume de Dieu et la justice de Dieu. C'est la seule façon qui vous permettra de vous dépasser l'un et l'autre, de mettre à côté vos égaux l'un et l'autre et de ne voir chacun quel est l'intérêt de l'autre. C'est la seule façon que vous arriverez à s'oublier soi-même pour ne chercher que l'intérêt de l'autre. Et c'est la seule façon que, comme la Bible le dit, une promesse qui est attachée à ces passages que nous avons lus, c'est alors que vous aurez du succès. C'est alors que votre couple prospérera. Et c'est alors que vous obtiendrez tout ce que votre cœur désire. Francis et Tété, toute l'assemblée ici est venue pour vous honorer. Et c'est ce qui a fait que tout le monde, comme le pasteur l'a dit, on est venu de partout, d'Afrique, de l'Europe, de partout, pour venir honorer cette union. Et notre prière, c'est que cette union puisse s'asseoir sur un socle qui est Jésus-Christ. Amen. C'est alors que vous allez prospérer. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes vraiment dans la joie. Nous avons écouté et le Saint-Esprit lui-même donnera la force à nos chers mariés de le mettre en pratique. Nous le savons. Nous savons comment est notre sœur. Nous savons comment est notre frère. Dieu vous donnera la force. Amen. Amen. Alors nous poursuivons la fête. Nous sommes toujours dans la fête. Est-ce que vous êtes là? C'est le moment tant attendu. Amen. Chez nous, deux moments importants. Le moment de la parole, et vous l'avez senti du début à la fin, la parole. Et maintenant, nous voulons procéder à la bénédiction nuptiale parce qu'ils sont venus demander cette bénédiction. Alors, nous allons nous préparer, et je crois la chorale se prépare, le couple se prépare pour que nous puissions terminer avec ce grand moment de bénédiction. Est-ce que vous pouvez, j'invite le couple à se lever, et si vous pouvez acclamer les célébrations. Alors, je verrai avant de commencer cette union, cette femme elle est venue voilée. Alors, je verrai si Francis peut me confirmer cette qualité, hein, pour que je ne fasse pas les rêves de Jacob avec. Rassure-moi si c'est bien lui, comme ça je continue. Sinon, ah ok, si c'est vraiment bel air. Oui, mais là tu as deux voix pour me dire que c'est pas elle. Oui, moi j'ai confirmé que c'est bien à 1000%. Ok, nous allons faire des engagements. Écoutez-moi bien, restez calme et suivez ce que nous voulons faire. Francis et Tété, vous avez maintenant entendu ce que le Seigneur demande de vous. Comme vient de le rappeler aussi l'homme de Dieu ce matin, cet après-midi. Et ce qu'il demande, ce que Dieu demande de vous et ce qu'il vous promet. En fait, que notre Dieu, plein de grâce, vous donne la force et la fidélité de vivre ainsi ensemble en tant que mari et femme. Et que votre seul secours, j'ai aimé, il a insisté, soit dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, c'est-à-dire Jésus-Christ. Votre seul secours, il a dit et il a répété, je ne répète pas la prédication. Francis, déclares-tu devant Dieu et en présence de l'Église
que tu prends Tété Mangaou Ndougi, présente pour épouse et femme légitime. Promets-tu de l'aimer et de l'honorer, tout comme Jésus-Christ a aimé, le texte, hein? Ouais. Tout comme Jésus-Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même, et s'est donné, je dis bien s'est donné lui-même pour elle. Promets-tu de la guider fidèlement selon la parole de Dieu et de vivre selon elle dans la sainteté? Promets-tu, avec l'aide de Dieu, de ne jamais l'abandonner, plus jamais, mais de lui être toujours fidèle dans les bons et les mauvais jours, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? Et c'est ça votre engagement et promesse? Si c'est oui, vous dites oui par la grâce de Dieu. Oui par la grâce de Dieu. Lui-même vous donnera la force d'aimer et de soutenir cette femme. Amen. Je me tourne à toi, ma fille. Mangwaou Ndouki Tété, déclares-tu devant le Seigneur et son Église que tu prends Francis Foulé-Katou ici présent pour époux et mari légitime? Promets-tu de l'aimer et de lui être soumise, tout comme l'Église, vous entendez maintenant, tout comme l'Église aime Jésus-Christ et se soumet à lui? Promets-tu de l'aider et de vivre avec lui dans la sainteté selon la parole de Dieu? Promets-tu, avec l'aide de Dieu, de ne jamais l'abandonner, mais de lui être toujours fidèle dans les bons et les mauvais jours, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, aussi longtemps que vous vivez tous les deux? Et ça, votre déclaration, c'est celui qui dit oui avec l'aide de Dieu. Oui avec l'aide de Dieu. Merci. Dieu qui est fidèle, lui-même vous donnera la force et la grâce de pouvoir se supporter et se soutenir. Amen. En ce jour,
j'accepte dans mon cœur ma promesse que je marcherai toujours avec toi, main dans la main, car tout notre amour nous mènera. Alléluia. Avant, aimer, ensemble, pour toujours. Amen. De marcher à tes côtés avec l'aide de Dieu, partout où notre parcours nous amènera, de ne jamais te quitter, de continuer à te soutenir, de continuer à être là comme épouse, comme amie, comme amante, je ne sais pas quoi dire. Nous venons de loin. Nous venons de loin, de très loin. Les jours où tu es venu dans ma vie, tu m'as dit, l'été, je vais t'épouser. Je pensais que c'était le parole à l'air. Parce que nous sommes amis depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que cette amitié-là se transforme. Nous sommes toujours amis, mais pas de la même manière. Je te fais la promesse devant ma famille, devant notre Dieu, d'être toujours à tes côtés. Je te donne mon cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Merci. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Très, très bonne nouvelle. Aujourd'hui, devant Dieu, devant l'Église, en tant que ministre de Dieu, j'ai la joie, amen, de vous présenter désormais le couple pour les 4 fois 6. Posa ya mokili batikali na posa moko ya konguma mena nzambe Yesu na lingi koko kana na yo ndenge yo kokana kabilongi yo na bayekoli yango Juda vante kayo ambasa kayo
Poyo zalaka confondu katia baye koli Bayi mitaka yo mobimba Ndenge na lingito koka nanga ina yoye Jésus l'amour de ma vie Nabenga kayo muna ya feti Piano saxo esprima esepeli saka motema Bonane ma feta kambala moko na mvula Kasi banda yo kota na vinanga yesu Yoko ma bonane na ngaya tous les jours Ata probleme yo pesa kanga esengo Oh yanga na yo libala Eko si la teto kambwana te Na la mwe Oh yanga na yo alliance Eko si la te ya ya Suki a pepe se mpaka Bana yo se liwa Tu es l'amour Comme David, je veux être l'homme selon ton cœur. Peut-être pas parfait aux hommes, mais agréable à toi. Bon lingo na yuele ki makasi. Et continue ma kila et pesi kwitia libela. Bato bazo comprendre et te li kambo li kwelinga. Zoka moto a langwe bayoka na kase na moto ya kwiti. Nazana kwitia mo limo na yo yesu. Moto ko comprendre se oyaza na yo e. Jésus l'amour de ma vie Na langwe yoye Na benga kayo muna ya feti Piano saxo esprima esepeli saka motema Bonane ma feta kambala moko na mvula Kasi banda yoko tana vinanga yesu Yoko ma bonane na ngaya tous les jours Ata probleme yo pesa kanga esengo Yo libala Eko si la teto kabwana te Na langwe Oh yanga na yo alliance Eko si la te ya ya Suki a pepe se mpaka Wana yo se mwa Tu es l'amour de ma vie Bo ba yo kaka nenge nini ba ye ba zo vibre Soyo Ba yo kaka nenge nini ba ye ba balanaka Soyo Bayo kaka nenge nini baye babotaka Soyo Bayo kaka nenge nini baye balinga nakae Soyo Eske sengwa boye bango pe bayo kaka Jamais Eske kime ya boye bango pe bayo kaka Jamais Sécurité ya boye bango pe bazuaka Jamais Protection ya boye bango pe bambonaka Jamais Bayo kaka nenge nini baye baso fifre Soyo Bayo kaka nenge nini baye babi maka Soyo Bayo kaka nenge nini baye bavoya jaka Soyo Bayo kaka nenge nini baye baye maka Soyo Eske kime aboye bango pe bayo kaka Jamais Ata babeteli bango maboko na butu pe balalaka Jamais Basuwa mikana na poto stabilite ezalaka Jamais Bakota mabala intere bonheur pe basuwa Jamais Sunga bana na yonzambe La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne s'est fait suivre d'autres.